soir. Internet, c'est nous. On se retrouve en cette fin de semaine très très chaleureuse, pour pas dire très très chaude, pour une petite partie de PUBG. Donc je suis toujours à poil parce qu'il fait extrêmement chaud. Il y a le ventilo, j'espère qu'il n'y aura pas trop trop de bruit dans le micro. Et vu que là je n'arrête pas de faire des parties où je suis mort dans la bleue, ou à peu de choses près je me fais tuer parce que je gère pas la bleue, je vais aller middle map. Middle map comme ça, et je vais aller là, voilà, en plein middle map. Comme ça, il n'y aura pas de bleu. Alors je vais me déplacer quand même, hein. Je vais pas non plus que camper, rassurez-vous. Mais on va limiter la casse. Après je ferai les games tout seul dans mon coin où j'apprendrai à gérer mon temps par rapport à la bleue. Par rapport à la grande bleue. Il y a pas mal de monde là au niveau de la school. Là a priori je suis à peu près peinard. S'il te plaît. S'il te plaît, prends-moi ce viseur. Donc là on va pouvoir se battre avec une smoke. C'est parfait. Hein. Et au pire un lancer de sac. Le lancer de sac c'est pas mal non plus. Bah. D'accord. Et un M9. Voilà, donc c'est nickel, j'ai gagné. Aller loin. Et ben on va vraiment pas aller loin. Je vais même pas mettre la poignée là-dessus. Ah, pourquoi j'ai pas de son? Non, ou alors c'est parce qu'ils sont vraiment très très loin. Si je suis nul. Je fais celle-là, après je fais les deux autres. Petit atelier là, des fois que... Ah bah voilà, c'est mieux. C'est mieux la petite calache. J'ai mal aux yeux. Vénère. La machette. Je suis éclaté, il fait trop chaud quoi.
déjà, ça par contre, je n'ai pas. C'est quoi ça? Tac, tac, tac. Voilà, un deuxième point rouge. J'ai un petit problème de fil de souris là. Hop là. Voilà. Non, mais j'ai toujours un problème de fil de souris. Viens là, s'il te plaît. Merci. La zone vers le haut. Ok. Ce pistolet. Ah putain, la SKS, ça peut être pas mal. Alors, faisons un peu le tri dans tout le bordel. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Ça, on va s'en défaire, parce que ça prend de la place pour rien. J'ai pas beaucoup, beaucoup de 5,56. Aïe, putain, j'ai... Bataille là-bas. Hein. Ah, c'est le bombardement. On va aller doucement au centre de la zone pour pas se faire avoir plus tard. Surtout que là, ça va couper la rivière. Donc ça peut être potentiellement emmerdant. Arrêté si loin que ça. On a dit c'est quelqu'un qui lui tire dessus, mais lui il s'arrêtait plus près. C'est quelqu'un qui shoot sur un mec qui est dans le coin. Ça aurait pu être à la tour. Je vois personne. Allons-y gaiement. C'est sûr. Après, va savoir où ils sont. C'est encore autre chose.
chaud, putain, je suis en train de décéder. Larry. Non. T'as déjà largué? Oh putain, c'est super loin quoi. Et ça veut même pas dire à 100% que la zone sera de l'autre côté quoi. Donc là je traverse et ça se trouve... Je crois que je retraverse dans l'autre sens quoi. D'apnée. C'est bon, ça sera dans l'autre sens. La zone vient de pop. Du coup, je prends un peu d'avance sur la bleue. Ça se trouve, je croiserai personne. Je suis désolé d'avance si jamais c'est le cas. Ça va être une game de je cours dans la pampa. Mais au moins, je me ferai niquer par quelqu'un et pas par du gaz. Entendre du bruit là-dedans. Pour moi, il y a quelqu'un dans la baraque. On va attendre un peu. Là-bas, c'est pas là-bas. Quelqu'un dans la baraque. Allez. J'ai plus de balles. Sérieux? Qu'est-ce que j'en trouve?
G3, ça vaut pas le coup. 90-61, ça vaut pas le coup. Par contre, j'ai vraiment plus de balles de. Ouais, quoi que si, on peut en reprendre un peu. Qu'est-ce que je peux choper d'autre? Pas rien. Cache-flamme, non, c'est bien. J'espère qu'il est pas au-dessus, l'autre enculé. J'aime pas ces bruits d'électricité là. Mais là, je vois rien. En face. Tu vas où, mon petit? Touché. Couler. Je suis plus dans la zone, ça a commencé à puer. Je vais tout de suite parce que je vais me faire une question. Là, je suis pile poil. Ah merde. Je vais pile poil dans la gueule du loup là. Un arbre de merde.
encore là, bleu. Je vous l'avais dit ou pas? Je vais encore me faire niquer par la bleue, putain. Ah, ça me saoule. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai pas couru? Oh là là là. Tout ça a traversé. Ok. Ok. J'ai pas beaucoup de balles en plus. En 5. Bon après j'ai toujours le K14. En 7. Mais... On va allonger, hein. On va pas faire le foufou. On va rester derrière la colline. Deux secondes, allez hop, on court. On bat les couilles. Putain de bleu. Putain de bleu. Ça va encore, je suis boosté. J'ai un petit espoir. Je peux me permettre de caresser l'espoir que ça parte pas trop trop en couille. Ça va rien dire, hein. Ça peut très très vite partir en couille quand même. Sachant qu'il y a un mec qui est juste en face. À droite. Lui, il est mort. Ah, je sais pas si c'est lui qui m'a grenadé ou pas, par contre. Oh putain, je l'ai vu au dernier moment, j'ai cru que c'était un buisson, sa race. Le mec il se transforme en fougère aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah là 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 là. Bah allez, on va mettre le fin, la fin de la game.
Putain, il fait chaud là, j'arrive pas à me mettre dedans. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? J'étais sur sa tête en plus, putain. Aïe, bien joué. Ah, il est couillu le monsieur, il va quand même choper le, le drop. Ok, j'aime bien. Il joue la fougère. Ah, ça avait déjà été looté, mon petit monsieur. Mais il est quand même couillu, il allait voir au cas où quoi. Réflexe, bien vu. C'est là qu'on se dit qu'un cache-flamme, c'est intéressant. Vas-y, pète-le. Pas assez loin. J'aime bien comme il joue en fait. Il me manque le côté speed qu'il a. Mais sinon j'aime bien comme il joue. Trois restants. Dont un sniper qui va bientôt mourir. Ah non, dommage. Trois restants dont deux fougères. Ah merde, j'ai cru que c'était lui, vraiment. Dommage. Il est bien placé en plus, il est dans la zone. Ah non, chope l'autre plutôt, chope l'autre. Ah, il a raison, il est en mode fougère, tant qu'à faire go quoi. A la rigueur, ce qui me ferait plaisir, c'est que je me sois fait défoncer par le mec qui gagne la game. Ce qui me ferait plaisir. Pas forcément plaisir. Mais c'est mieux que par perlimpinpin. Putain, il fait chaud là-dessous, le PC il en peut plus, sa mère. Waouh. J'ai un sauna au niveau des jambes. Allez, bim. Ah, dommage. Mais t'es en silencieux, mec, hésite pas. Ah, il t'a vu là. Mais tire! Pourquoi tu tires pas? Ah, il joue safe, safe. Hein. En fait, il veut vraiment la gagner. Donc, il attend qu'il y en a un qui meurt pour shooter l'autre par surprise. A priori, je pense que le mec de la cabane l'a vu. Et lui, non, je pense pas qu'il l'ait vu. Lui, il est mal par contre. Lui, il est clairement dans la bleue, d'ici pas longtemps. Ah merde, dommage. Ah non, bien joué, j'avais pas vu, merde, j'ai cru qu'il l'avait pas eu. Allez, fougère versus fougère. Monsanto is back. Une fougère a été vue, l'autre non. Allez, shoot. Dommage. Bah, du coup, il l'a vu là. Bah, du coup, t'es moins bien placé maintenant. Il l'a toujours pas vu ? Non. Ah, il l'a toujours pas vu. Une belle fougère, quoi, du coup. Du coup, maintenant, il l'a vu. Bien joué.
Belle fougère. Putain, t'es pas obligé de faire un bordel comme ça. Ah, bon, bah, c'est pas moi qui ai gagné, mais je trouve que c'était quand même une... Non, c'était une game moyenne, quoi. Juste la fougère. Faudrait un peu plus de réflexe. Voilà, c'est le problème de... Bah non, c'est pas un problème, en fait. C'est que c'est bien. Les ghillies, ça sert à quelque chose. J'espère que ça vous a plu. Bisous, à bientôt. Ciao, c'était Morceau Micro.